venu prendre ton âme, petit homme. Oui, une belle intro comme TBG sait les faire. Vous êtes habitué maintenant. Quoi, c'est une chatte un petit peu métalleux sataniste? Non, pas du tout. Ceci dit, je vais vous emmener quand même dans un titre qui va bien vous faire marrer ce soir. Puisque c'est un jeu qui est sorti en, j'allais dire, 1977, 2017. Punk note date quand même. Et qui s'appelle Inner Chains. Et Inner Chains peut porter haut et fort le trophée du jeu nanar. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous allez voir, ça part sur de très bonnes intentions, quelque chose d'un petit peu spectaculaire et typé. Et puis, assez rapidement, mais enfin bon, je vais vous laisser regarder l'intro, ce sera plus simple. It was born at the dawn of consciousness. It evolved and grew in a perfect symmetry with humankind. It is still growing like a parasite. Heads of Hydra don't rise again. They have always been reason, proud and hateful. Their hypnotizing and mesmerizing eyes breed upon fear and sins of individuals, societies, nations, generations, and civilizations. Sages of old times called them four evil princes of this world, but slave priests worshipped them as messiahs, saviors of human souls, as the way, the truth, and the life. Many times they change their form to deceive, bewitch, and to evolve in response to any defense of inhabitants of this planet. Where does Hydra hide? You won't find it in the ashes of Golgotha, neither in the streets of cursed city of Chorazin, nor in the catacombs buried under the rock of Saint Peter. Who didst create it but human hands and thoughts and words and deeds? It's deep inside each one of us, for the dark is one, but its shapes are many. We are its makers, but we lost control over it. It enslaves us and takes pleasure of our pain, suffering, and pity hopes of bright afterlife. The journey you must take will lead you to the deepest labyrinths of your true self, to the heart of the shadow. You must confront it to break the inner chains. Ah, on fait moins les malins maintenant. Hein. Alors du coup, oui, le jeu, on voit du gros en démarrage. Et on se dit, je vais pas faire tomber le micro, mais il y a moyen qu'on soit sacrément dépaysé, que ça envoie vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est là que il va y avoir un petit problème. Je vais vous laisser observer par vous-même et constater. Et on en discute un petit peu après.
Ouais, je suis un mec gentil du coup. Je sais pas parler depuis le début parce que je me disais, bah, je vais faire monter la tension quand même. Regardez-moi ce bout d'intestin. Et voilà, donc c'est un jeu. Je vais vous donner un truc, hein, tout simplement. Aujourd'hui, en plus, je vais avoir mon collègue Maurice à la technique qui va m'aider parce que il faut que je rende ce run bien. Alors c'est joli, hein? C'est joli, mais je vais vous donner vraiment le truc. Ce jeu, vous savez pour qui il est fait? Non, pas pour les gens qui aiment l'aventure. Non, pas pour les gens qui aiment le death metal, le doom metal, bon, le metal des ombres en tout cas. Non. Vous savez pour qui il est fait? Il est fait pour les petits gars qui font les pochettes d'albums de ces groupes. Eh oui! Parce que là, à chaque fois que vous avancez dans le jeu, vous avez de quoi faire une pochette d'album, quoi. Alors, vous avez remarqué, peut-être, je vous parle de tout sauf du jeu. C'est un gros indice. Oui, on est dans un nanar du jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est un titre qui a voulu se la péter. Et puis, apparemment, je vais vous révéler au fur et à mesure ce que j'ai découvert. Puisque c'est pas très très dur à comprendre ce qui est arrivé à ce pauvre jeu. Donc, le inner machin, je vais l'appeler comme ça. Les bruitages sont foirés ou c'est moi? Voilà. Ok, ça c'est pas cool. Bon, c'est bien. Je vais vérifier quand même l'audio, ce serait bien. Ouais, c'est la misère. Ok. Bon, c'est pas grave. Hop. Tu vas pas m'emmerder, toi. Je suis pas là pour ça. Hein, je trace. C'est vu comme c'est dur. Et donc, je disais quoi à propos de ce jeu? Oui, je vais avoir beaucoup de choses à en dire. Alors, les inspirations, bah, elles sont sympas parce que c'est quand même pas moche. Hein. Mais du coup, on se rend vite compte de la supercherie. On a un jeu qui est probablement fait par des graphistes, mais certainement pas par des programmeurs, quoi. Ou alors on nous aurait menti, je sais pas. Ah, c'est bon, là, je bouge pas. Faites une capture d'écran. Oui, pochette d'album métal. Voilà, c'est fait. C'est bon. Je vous fais un petit plan un peu déplacé, là. Peut-être plus avec la vue sur les esclaves qui vont là-haut. Allez, on va faire ça. Vous êtes prêts? Action! Non, plus comme ça, c'est mieux. Ah, voilà. Ça vous va? Voilà. Je prends un pourcentage, hein, si les disques sont publiés, je m'en fous de la musique qu'il y a dessus. Ça peut même être de l'électro-raga, je m'en tape. Moi, je suis là pour les thunes. Eh ouais! Et donc, pour revenir à ce jeu, bah oui, on sent quand même qu'il y avait une belle équipe d'infographistes qui se sont bien éclatés, puis ils avaient des goûts affirmés, au moins. Hein. Bah, ils font pas semblant, les mecs. Enfin, nous, on aime bien Giger, et on aime bien les trucs un petit peu dark. Un tout petit peu, à peine, regarde. Ça, c'est Mireille qui a arraché la moitié de sa robe et ramène les enfants à la maison. Et pour éviter qu'ils ne se mouillent de la pluie, ben voilà, elle a arraché la moitié de sa robe et par le vent mené, elle sert de... Comment on pourrait appeler ça? D'objet qui protège de la pluie. Salut Mauricio, c'est moi, tu me reconnais? Ouais, tape-moi 5, vas-y. Je me demande s'il manquerait pas les dialogues. Il faut que je m'enregistre. T'es sûr? Sûr. On se fait pas la bise? Corona? Ah bah d'accord. Putain, merde. T'es devenu moins sympathique depuis le virus, toi. Je vais m'enregistrer. Ah, il manque réellement la moitié des effets sons, je crois. On va essayer de voir si on peut pas corriger ça, c'est un peu tristouille. Maître. Oui, master. Et effets sonores, ils sont à The Street, j'ai l'impression. On va faire ça pour le forcer un peu. Et on va revenir parce que je suis un super malin. Voilà, au moins je suis sûr que je voulais forcer à remettre à jour un petit peu ces réglages, le gros. Hey. On se voit pour le truc avec plein de femmes après? Ok. Putain, Jean-Paul, il est là aussi. Michel. Michel et son frère. Oh, ils sont chiants, eux. Quand ils sont bourrés, ils font n'importe quoi. Je vais frapper cette... Non, je vais m'en servir. Je vais la pousser gentiment. La plante, j'aime te frotter. Ouais, j'ai un petit côté frottement, je crois. On se frotte? Ouais, t'as l'air pas... Faut arrêter la quiétude, les gars. Hein. Aïe, 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 on l'a dit, ça fait des dégâts. Prenez pas n'importe quoi comme drogue, les enfants, merde.
Alors, on a le grand... Ouais. Moi, je suis juste venu pour la buvette et le concert. Ce que tu dis, je m'en fous. De toute façon, je comprends rien, mec. Ouais. On va faire ça. C'est génial, hein, ce qu'il dit. Maurice, trouve-moi une musique. Je compte sur toi, mais moi une musique adéquate et adaptée. Ouais, il a mal tourné, Donnie Darko. Vous avez vu, les gars? Ah, lui, il est complètement à fond. Ah, de tête qu'il est gracieux. Ça t'emmerde si je vais à la buvette pendant ton discours, parce que tu me saoules là déjà. On dirait un macroniste qui essaie d'inventer des arguments. Bon, allez, bonne chance à ta start-up, j'y vais moi. Il est fini le concert? Maurice, mets-moi une autre musique s'il te plaît. Un petit truc qui bouge plus, je vais sauter en rythme. Pas trop que je saute, je vais me lire. Wouhou! C'est trop bien! C'est à quelle heure les filles peuvent habiller? Et donc vous l'aurez reconnu, l'intro la plus longue et la plus inutile du monde, puisque personne ne comprend rien, et on s'en fout ce qu'il dit de toute manière, on cherche la putain de buvette quoi! Oh quel poseur ce Johnny! Johnny Maccabée, l'homme qui nous fera toujours rigoler. Attends, contre-plongée sur ses boules. Ah oh, putain, c'est magnifique! Ça c'est Mad Max, ça. Et oui, le grand chauve. Moi, vivant, jamais ils ne fermeront les bars et les restaurants à cause d'un virus. Croyez-moi, j'en mets ma couille gauche à couper. Et peut-être même la droite. Tu m'as mis les boules là. Vous savez quoi? Ça a l'air bien par là. Ça biche? Fais pas la gueule. Je caresse tout. Je suis caresse man. Regardez les plantes comme elles sont bien avec moi. Oui, je vais essayer de faire un petit moment dramatique, ça changera. Parce que là, vous me semblez autant vous ennuyer que moi. C'était beau. Eh ouais. Qu'est-ce qu'ils font là, ces aigris? Regardez-moi ça. Bah, une bestiole, alors, c'est une bestiole. Oh, vous allez pas vous laisser emmerder par une bestiole, quoi. Je vais vous faire voir. Poussez-vous, bande de cul sans main, va. Faut se faire enregistrer là aussi. Je sais pas si j'ai bien envie de me laisser sucer la tête par ce genre de truc. Salut. Je viens pour me faire. Il va bien, mon pote? Ouais. Je viens pour me... Mais tu le fais doucement, c'est ma première fois. Aïe, aïe, aïe. Non, oh! On m'a jamais mis la langue aussi profond. Dégueulasse. Niveau goût, ça ressemble entre... Oh, vous voulez pas savoir. Mais c'était pas frais, en tout cas. Bah c'est encore un tentac. Tentac boy. Plop. Oui, toujours ma fameuse onomatopée.
Toi, t'en as trop pris, trop pris. Eh bah oui, on t'avait prévenu. C'est pas parce qu'il y a une tawa et que l'autre allumé, il raconte n'importe quoi qu'il faut faire n'importe quoi. Un peu de raison, les amis. Alors, je sais pas si vous avez tous les bruitages, vous. Moi, j'ai l'impression qu'il m'en manque quelques-uns. Je vais pas me laisser emmerder par ça. Non. Ah bah si. Alors, je me prends des coups, mais je vois pas ma santé. Ça, c'est une grande nouvelle. Peut-être suis-je immortel. Tu me vois? Non, il me voit pas. Bah, je suis sans doute immortel et invisible en plus. Trop classe. Poussez-vous les nains, j'ai envie de chier. Hop, hop, hop. Alors. Regardez pas, je peux pas quand on me regarde. Ça veut pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Regardez pas les gars, je vous ai dit. Bon, je vais mettre la main devant mes yeux. Non, je vais regarder par terre, voilà. Allez. Bon, ben voilà, ça c'est fait, pardon, je m'excuse. Bouge pas, je vais me frotter un peu sur toi. Voilà. Allez, merci les vieux, à plus. Hop, hop, hop. C'était vraiment très intéressant. Oui, j'avais prévenu, ce jeu est un nanar, et donc forcément, il va falloir que j'invente 10 000 trucs pour vous occuper l'attention pendant le stream, parce que j'ai peur que vous mouriez d'ennui, d'exaspération, ou de... Comme moi. De cette tristesse un petit peu amère qui fait que, bah, vous avez un truc qui, quand même, il y a des gens qui ont bossé, quoi. Et il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils ont fait que cuver les bières qu'ils avaient bu la veille, à raconter à des meufs que, ouais, moi je suis dev et je fais ce jeu. C'est moi qui le dev, tu veux voir la démo, regarde, je t'invite ce soir chez moi si tu veux la voir. Et voilà, mais en fait, c'est des putains de manches, les mecs. Je dis les choses comme je les pense, hein. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Je sais pas qui. Ça veut dire... Arrête de dire des saloperies sur ce jeu. Ok, bon, j'arrête. Okay. Ça va, gros? T'as l'air bien, là, au milieu. Je sais pas, j'ai un instinct naturel qui me porte à méfier des trucs pendus au plafond depuis Half-Life. Bon, j'ai des graphiques, hein, qui m'aident vachement, du coup, à comprendre. Il est où, l'autre? Je vois rien. Un cercle, j'y vais pas. Bah non, je suis pas très cercle, hein. Moi j'aime bien les trucs plus. Fais voir. C'est trop haut pour moi. Non, et puis j'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'il y avait un truc qui s'est affiché quand je me suis mis à une certaine distance. Ah d'accord, je peux décoder les textes. Finalement, le jeu est pas si con que ça. Le problème, c'est si c'est en polonais. Ou dans un dialecte plus ou moins roumain ou du crève-lachistan, on va pas y arriver quand même. Donc là, je vois blowjob. Non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, c'est pas la prêtresse des blowjobs, mais c'est pas grave. On lui en veut pas. Je crois qu'il y a un truc au-dessus, faut que je fasse quand même gaffe. Quand ça bave comme ça, c'est pas bon. Est-ce que je vais dans le cercle? Bon, allez, pour vous faire plaisir, mais. Voilà! Allez, c'est pas que, mais j'ai un stream à faire, moi, les gars. Hop là, c'est poussif mes sauts, mais on va y arriver. Faut garder appuyé pour courir, c'est pénible. Hop, pup. On va dire que c'est des checkpoints, hein, je m'invente les règles. Là, c'est les désaccès qu'ils ont mis là. Ça va pas mieux, les gars. Que le son a vachement baissé, mine de rien. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est fait. Non, ça va. Alors, lui, il est là. Il est content. Lui, il compte les points. Et dessous, t'as les nigauds qui passent, quoi. Les gars, vous voulez pas aller voir ce qui se passe là-bas dessous? Ça a l'air marrant, quoi. Non? Ok, pas drôle. Toi, tu te marres, toi? Hein, t'es un coquin? Je vais faire un tour par là-bas, hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais. Ça va me balader. Plof. J'ai mon ticket d'entrée.
What's happening? The flame a disparu. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Tu vois le. Fais voir que je vois bien comme toi. Ouais, c'est. Ça devait être beau avant. Mais c'est pas plus mal, hein, maintenant, regarde. Hop là. Alors on voit que c'est un jeu qui est plein d'action et de réflexion d'ailleurs. Puisque. Deux couches de polish, hein, Maurice. Quoi? Hein? Il te faut un parchemin. Ouais. Si je t'en démoulins là, non? Non, ça compte pas, ok. Comment ça, monsieur Kai en mode skato aujourd'hui? Bah, faut trouver des thèmes, hein, au stream à chaque fois, les amis. Je vous y verrai bien, moi. Allez, je cours, et je cours, cours, cours. Car je cherche un parchemin. Et il était là, espèce de tête de. Zbeul. Oh là là. Qui s'écrit? Celui qui dit ça est un. Oh, c'est même plus drôle, vous avez quel âge, les gars? Putain! Vas-y, vas-y. Jean-Pierre, j'ai une bonne nouvelle! Et tu devrais te mettre à genoux, hein, quand j'arrive comme ça. Ça fera un peu plus ben, de mon rang, quoi, je veux dire. Je sais pas ce que c'est, ça. On sait pas. J'ai que mes petits points, quoi, je suis désespéré. Je peux te taper, toi? Ça me ferait trop du bien. Allez, je tape sous. Je tape sous. Toi et ton pote qui est en train de. Il a l'air bien, lui aussi. Vous avez pris quoi, les gars? Sérieux, c'est trop fort, hein? Prenez-en pas autant. Alors, on lui a dit que ce serait mieux, mais il n'y a pas de B, il n'y a pas de J dedans en tout cas. C'est la meilleure nouvelle qu'on ait eue aujourd'hui. Ça fait combien de temps que j'enregistre ça? Oula. Oula. Très oula. Alors, dans les autres trucs à balancer sur le jeu, qu'il faut savoir, bah oui, je balance, hein. C'est que ce pauvre malheureux jeu, regardez-moi ça là, ce malheureux tristou jeu est sorti il y a, en 2017. Donc, oui, en 2017, bah ça avait un peu de la gueule, hein, ça faisait bien, ça faisait frime. Mais le problème, c'est que c'est qu'une démo technique, le machin, du coup, il sert à rien, quoi. Et j'ai entendu piouf, comme une balle qui ricoche. Sérieux? Et donc, le truc, c'est vraiment une démo technique, plus qu'un jeu, parce que là, la partie amusement, bah, vous êtes comme moi, on la cherche un petit poil, les gars. Je vais pas tout remonter. T'as déjà les couvertures? Je leur donne un indice quand même, on sait jamais. Alors, ça, c'est Mémère qui guide le peuple vers la rébellion, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça devait pas être très sympa. Oh, je te parle pas, t'as pas l'air intéressant, toi. Toi non plus, de toute façon. J'ai pas vraiment envie de vous faire la causette, les gars. J'étais là pour écouter de la musique. D'ailleurs, Maurice, est-ce que tu pourrais prouver que ce jeu fonctionne très très bien si on lui colle l'ambiance musicale qui va bien? Je compte sur toi. Go. Je souffle pas la tête, mais j'y pense très fort.
mais moi je vous laisse dans votre moment de tension, les amis. Ça marchait bien. Oui, j'aime bien gâcher aussi l'effet. Alors c'est dommage quand même parce que c'est loin d'être moche et vous savez très bien que ça me fait mal au cœur à chaque fois que je tombe sur ces genres de produits. Où, bah, vous sentez qu'il n'y avait pas réellement cohérence dans l'équipe, quoi. Il y en a qui ont fait leur boulot, puis il y en a d'autres. Ils ont ramassé, quoi. Ils étaient là un peu pour la fame qu'ils n'ont pas réussi à greffer sur le truc en bossant. J'ai toujours pas nommé les programmeurs. Si, si. Ah oui, je balance là. Donc on dirait un mec qui découvre le moteur Unreal, puis qui essaye tous les effets, quitte à charger la babasse à outrage, parce qu'à l'époque ça devait ramer sur les babasses de l'époque, je crois. Et du coup, ben, c'est pas vraiment sympa pour les graphistes qui se sont pété le dos derrière. Mais je veux voir, j'ai ma place. Allez Raoul Teigneux, fais nourrir. Un discours, un discours. Ok. Ça se passe plutôt pas mal, le mec s'est pas fait exécuter. Pour l'instant. À moi? Ouais. Alors, ça te plaît? Je l'ai transporté pour avoir les mains libres. Je l'ai mis à un endroit. Je te laisse deviner où. Il a l'air content en tout cas. Ah, c'est l'heure de boire un coup, je crois. Putain, la buvette, ça se méritait aujourd'hui. De la brune en plus, comme j'adore. Un petit peu éventé, hein. Pas beaucoup de bulles. Limite stout. Limite stout. Limite stout. J'espère qu'il va pas profiter de cet instant de faiblesse de ma part pour abuser de mon corps. Ce serait très malvenu, quoi. La chambre nuptiale, où ça? Non, je veux pas me marier. Ils sont rudes, les mecs. Oh putain. Oh là, j'en ai trop pris. Je le savais que cette bière était vraiment bizarre. C'était pas vraiment une IPA. C'était pas vraiment une bière. Il y avait des poils. Ah, je passe. Je passe. Je suis proms. Moi, je suis l'élu. Cassez-vous, bande de cons. Oh, je vais me vautrer la gueule. Faut que je passe. Ou je vais dégueuler. Pardon, monsieur. Ah, je crois que j'ai fait tomber un mec et je suis tombé aussi. Je sais pas ce que c'était ce truc, mais c'était super fort. Et il n'y avait pas qu'un poil dedans. Je suis arrivé. Je crois que je suis arrivé. Je suis à fond là, je suis à fond. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. On va dire que c'est moi qui suis un peu couillon. On va se faire une pause par là, je pense. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'était un flashback du futur qui me prévient mon moi présent qu'il va se passer un truc bizarre. Vous me l'achetez? Voilà. Qu'est-ce que tu. Jean-Pierre? Philippe? Ah, c'est Philippe. Ok. Bah, quelqu'un te la ramènera à ta radio un jour ou l'autre. Hein. T'inquiète. Allez, bonne nuit. On va se faire un break par là et je reprends juste après, parce que je suis un mec trop bien.